Tout le monde est au courant que là vous jouez un 16ème de finale. Il n'y a pas de seconde chance. Hein. Je pense que c'était le match le plus difficile de la saison. Du fait du carton rouge à la 15ème minute. Tu as 10 pendant 75 minutes, vous les avez tenus. Bah aujourd'hui, l'équipe est née. Merci, merci à vous les gars. On va mettre très rapidement sur la semaine prochaine le match de coupe qui arrive très très vite. Des faux rebonds, moi c'était un foutoir. Maxime Lopez de Sassuolo, ancien joueur de Marseille, qu'on garde la série. Il m'a dit ok, je m'en occupe. Tu veux qu'il te fasse une dédicace ou quoi? Vas-y. Allez, t'en auras une. Bon match samedi, un match de coupe qu'il faut pas louper. C'est les premiers de leur poule, donc je pense que ce sera des adversaires coriaces. Donc on n'aura pas le temps de savourer le match d'hier. On a joué 24 heures après un match très difficile, donc aujourd'hui on va faire que des petits jeux, que des petites gammes pour pas non plus harceler les corps, harceler la tête aussi. Ils sont éclatés. Ils sont tous éclatés à part mon frère, Bilal. Come on, Oscar, come on, come on. Yes. Encore, rentrez, les entrées. Ils ont marqué en même temps. J'ai marqué avant. Elle est morte tout de suite. Ouais, si je mets la barre, Alpha il fait 3 tours de terrain. Ah, vamos, allez là. Y'a rien. Putain. Ça s'est raté. Ne faites pas ça chez vous. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ah oui, j'aime beaucoup Rémi Gaillard. À jeudi, messieurs. Oh là là, raté. Ah, un petit dans la caméra. Mais non, vous allez perdre, je vais bien dormir. On va se qualifier, première canne, 8ème. Comment rien, toi aussi? Comment un Brésilien? Attends, il jongle avec un ballon de 4 kilos là. Oh non, c'est incroyable. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est un bilou. Ouais, il faut le Congo. Mais ça va pas, on perd 3-0. Ah là là. Ouais, il y a 3-1, vous allez voir. Contre Bilal, j'ai les messages comme d'habitude, hein, je vais vous les montrer. Il me dit, je vais arriver à 19h à l'entraînement, je serai en retard. Et là, je le vois arriver, je dis, mais Bilal, t'es à l'heure finalement. Il me dit, ouais, parce que l'Algérie perd 3-0. Je dis quoi? Il me dit, je t'expliquerai plus tard. Le groupe, il vit bien. On a fait un gros match, on a été tous ensemble, on a été une vraie équipe. C'est ce qui nous manquait depuis le début de l'année. Je pense que si on gagne, c'est pas volé. On a fait une bonne match, on voyait pas forcément qu'on était 10 contre 11. Mais franchement, on a tous fait un bon match et ça fait plaisir, c'est de bonne augure pour la suite. C'était pas prévu. Mais voilà, c'est eux qui m'ont présenté, moi je m'en occupe pas. Donc on remercie Panini d'avoir sponsorisé la séance. Oh là là, les albums et tout. S'il y a un joueur de foot de Ligue 1, vous abonnez tous. Ah, Gendouzi, oh, incroyable. Vous voyez, eux, ils ont des cartes nulles parce qu'ils sont nuls. Moi, la carte parle d'elle-même. Ouais. La carte de Neymar. Oh, Mae, tu veux être capitaine ce week-end ou pas? Ouais. Je t'échange Neymar contre Jimmy Briand. Je suis en double. Ok, les gars, bonjour à tous. Ah, mais ils savent tous couper les cheveux, en fait. L'entraînement d'aujourd'hui, les gars, on a un match samedi, donc c'est dans à peine 48 heures, donc ça va être un entraînement léger, très ludique, on va faire beaucoup de jeux. Vous avez 3 équipes, vous les avez faites vous-même, vous allez rester ensemble jusqu'à la fin de l'entraînement. J'allais dire 2 par joueur pour l'équipe gagnante, 1 pour l'équipe qui finit deuxième et 0 pour l'équipe qui finit troisième. Et après, il y aura un tournoi avec un match, 5 pochettes pour l'équipe vainqueur, 3 pour l'équipe qui finit deuxième et 1 pour l'équipe perdante. Allez, l'habitude c'est le nom. Allez, mon garçon. Allez, super, allez, Mourad, allez. Allez, Mourad, pour les commandes. Noir 2, jaune 1, rouge 0. Je les ai jamais vus comme ça. Regarde, Gillian, concentré, focus. Gillian. Allez. Voilà.
Une minute, il n'y a que les lucarnes qui comptent. Ok. Si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour le petit frère de Mourad. Pour l'instant, il va rentrer son grand frère. Aucune tierce panini. Ok, Mourad, ton petit frère. Oui, voilà, incroyable. Non, il est pas. Ah yeah, yeah. Parlez-vous. 15 secondes. 3-3. Allez les gars, c'est à nous. Non. Allez, voilà. Ok, les noirs 17, les jaunes 8, les rouges 8, tous départagent sur le match, ramenez les cages. Ah, oh, ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vidéo, ça va être foutu. Ouais, ça arrive, très très vite la vidéo, abonnez-vous. Alpha qui marque de la tête. Merci Panini, vous avez fait ce que j'ai pas réussi à faire en 6 mois. Parfait, je pense. Ah mais c'est un métier. Je me suis entraîné au bridge de tes gauches. En mode Modric. Tu vas me voir à la télé. Oui Julien. Oh, oh il veut, il la veut la carte pour son petit cousin. Donne-le. Alpha, sérieux s'il te plaît. Il reste une minute avant que je donne les combats, fais pas n'importe quoi. Vous êtes 6, donc ça vous en fait 25 chacun à peu près. Un paquet et demi, tiens, ça et ça. Ouais, et pour mon petit cousin. Et les rouges, un paquet. À partager entre vous. Viens. Ah, grand frère modèle. Voilà. Bah, tiens, dis-lui parce qu'il a eu des bonnes notes à l'école. Non, il n'y a pas. Voilà, les gars. Fais la photo, tu peux quand t'as. Oh, regarde, j'ai eu quoi? J'ai eu que ça, Saïd. Elle est là, la cachette. C'est le cahier. Donc j'ai chance, tout joueur de Marseille contre Awar. Bah merci à Panini, franchement ça fait plaisir de pouvoir offrir des choses comme ça. D'ailleurs comme ils sont contents, ils vont tous s'ouvrir dans le cirque. Ça commence déjà. Non mais tu sais, je suspecte qu'ils m'ont pris des boîtes. C'est des cartes Panini, c'est des choses que je collectionnais quand j'étais petit, que je me suis remis à collectionner, et j'espère que eux vont collectionner. Là je les ai vus déjà faire des échanges, Gerson contre Payet, contre Awar, etc. Donc je suis super content pour eux. Merci à toute la force que vous avez donnée, merci à Panini. Et voilà les gamins, vous remerciez, moi je vous remercie personnellement. Pour ceux qui veulent en acheter, j'ai même un code promo que je vous mettrai. Donc là il s'affiche dans la description. Vous voulez collectionner, vous faites ça. Et je vais même faire un jeu concours sur Instagram. Donc rejoignez-moi aussi sur Instagram. Et comme ça tous ensemble, il me reste plein de paquets, plein de vignettes, plein de sachets. On va ouvrir ça, ok? Et j'ai eu Valère Germain, donc je voulais aussi remercier le ciel pour ça. Franchement les gars. Et du coup c'est moi qui lave les maillots. Je désigne personne. Allez, lave les maillots. Même lui il est abonné depuis 2 mois. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous. Tournoi là des U8-U9, on est venu voir la relève. Faut déjà préparer la saison prochaine des U17, donc on va regarder ça. J'ai mis quelques heures avant le match de Coupe du Rhône. On va passer prendre des fruits. S'il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce qu'il faut prendre une heure avant un match à la mi-temps, bah franchement j'écoute vos conseils parce que j'ai pas trop d'idées. Ça va être du grand classique, banane, orange, date, amande. Et on se retrouve tout de suite pour le match. J'ai hâte d'apercevoir Renaud Mourad et Julien. De largeur la voiture, je sais même pas comment Mourad. Je sais même pas comment Mourad dira. C'est là. Il a dit on joue contre Lille. Je joue contre le LOS Pedro, tu vas te faire recruter hein. Ouais, je suis Bouzy Tunès, je suis un jeune arbitre U17. J'arbitre depuis 5-6 ans à peu près. Du coup là j'arbitrerai LOSC Sainte-Foy
en 17, j'ai vu que Sainte-Foy ils sont deuxième et Losc premier, hein, ça va être un match serré. En coupe, on va faire tourner le capitaine là, en coupe. J'avais l'habitude de faire ça avec Mickaël la saison dernière. T'étais capitaine dans la saison ou quoi? Ouais. On va mettre Soulé. Pour Mathieu, c'est l'équipe qui aime avoir le ballon. Si tu les fais tourner, ils peuvent vite s'énerver et vite faire des fautes bêtes contre des jaunes et des rouges, tu vois. Ils changent pas comme ils veulent, hein, surtout Bidet, là. Tu vois, si le ballon, on l'emmène dans ces zones-là, pour moi, on est tranquille. Match d'aujourd'hui, Losc 1, Sainte-Foy 1. C'est une équipe qui n'est pas dans notre poule, qu'on ne connaît pas, donc il ne faudra vraiment pas sous-estimer. Parce qu'ils sont premiers de Détroit, et assez largement. 10 matchs, 10 victoires, 55 buts marqués, donc c'est une moyenne énorme, et 15 buts encaissés. C'est assez haut, ça fait 1,5 buts par match, donc ça veut dire que défensivement, il y a des choses à faire. Leur jeu passe par leur numéro 10. Mais il ne faut pas le laisser avoir le ballon, il ne faut pas le laisser se retourner. Et c'est à vous d'analyser maintenant. Vous commencez à être grand, vous commencez à connaître comment fonctionne avec Mika. Est-ce que leur 6, il est bon, il prend tous les ballons de la tête, je vais jouer au sol. C'était les corners, on marquait très très souvent. Là, depuis quelques matchs, on marque plus. Et pire encore, je ne sais même pas si on prend le ballon de la tête. Loris, c'est toi qui vas y taper, tu regardes. Tout le monde est au courant que là, vous jouez un 16e de finale. Il n'y a pas de seconde chance. Hein. En championnat, il y en a. En coupe, il n'y en a pas. Il y en aura une dans un an. Un match de coupe, c'est sur le terrain, d'accord? Donc c'est bien, la dernière fois on a fait un bon truc, maintenant faut confirmer. D'accord? Je suis là, j'envoie des snaps à une meuf, j'arrive, tac, on parle, c'est bien. Elle me donne rendez-vous. Bah ouais les gars, là faut que je confirme, d'accord? J'ai déjà réussi. C'est de quoi il parle, hein? Bah non, mais c'est vrai. C'est de quoi il parle, hein? C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'équipe type. Bilal, tu m'as demandé lundi est-ce que tu fais tourner? La réponse a été très claire, je t'ai dit non. Donnez-vous de la place, donnez-vous de la place. Non, comme il m'a payé un chômage, ça va l'emmener. C'est lui qui devait gagner tout. Les gars, solide encore, solide, solide. Encore. Va-toi, Bilal. Il va l'arrêter, Bilal, on suit. Bien joué! C'est pas fini, allez! Bien joué! Mais on va vite passer à 3 points. Solution, c'est sur les côtés. Attends, Gabin, allez Charles. Allez, on monte le match. Je vais montrer que t'es présent aussi, hein. Il faut sauter. Avantage. Bien joué, tu es pas à 20. Va. De l'action. Morad, bien joué la passe. Et Thomas et Sam pour courir. Bien joué, Encore. Voilà. C'est le monde plus vache pas.
Je l'ai dit. Alpha. Je félicite Maé et Erwan parce qu'ils l'ont bien fait. On est allé chercher sur les côtés. Par contre, les actions, faut mieux les jouer après. On a fait un très bon match, mais on a mis deux buts sur deux coups de pied arrêtés. Maintenant, faut marquer dans le jeu. Loris, à un moment où Charles, tu débordes, il n'y a qu'une seule solution dans la surface. Il en faut plusieurs. Sinon, franchement, la mi-temps, elle est bonne. Dans l'intensité, dans le sérieux, elle est bonne. Ouais, tu fais une vraie première mi-temps. Une très bonne première mi-temps. T'as un client, c'est super propre, défensivement, offensivement, c'est bien. Alpha, libère vite. Deux, trois fois, t'as voulu garder le ballon. Il t'a pas fait faute, t'es allé chercher la faute, t'es tombé tout seul. Le penalty, c'est trois peut-être fautes consécutives. Il est 1-0, hein. S'il le met, 1-1, c'est plus le même match, ok. On a tout intérêt à mettre le troisième. Si on garde les mêmes consignes, bien écartées, et une fois que ça repique dans l'axe, on met du monde dans la surface, et j'insiste sur le mettre du monde dans la surface, ça va rentrer tout seul. Coup de pied arrêté, bah c'est bien. Hein. Je vous ai dit que c'était un point faible, là, ils se sont super bien tirés. Et les gars, le même rythme direct, le troisième, faut aller le chercher. Hein. Ça va, première mi-temps, vous kiffez? Ça va revenir. J'ai pas oublié la canette, je suis pour 100 fois. Celui qui est pour 100 fois, je vais payer une canette. Ouais, canette, ceux qui sont pour 100 fois. Mais faut demander à Mitya pour la canette. Ah, voilà, on a ouvert. Voilà. Allez encore. Pourquoi tu veux que je lui donne Alpha? C'est la crème, changement. Vous êtes combien là? On est 20. Oh, je fais confiance à qui là? Prends une canette chacun. Oui, je sais, c'est pas ça. Oh, vous dites pas merci là. Merci Saïd. On va partir acheter ta canette. Non, il m'a rien donné Saïd. Il me paye rien du tout. Vas-y Erwan, on peut partir. Ouais Erwan, intelligent Erwan. Ils m'ont pris une canette. Ouais, ça mérite, je vous paye une pizza là. Ils arrivent tous avec leurs canettes. Ah mais ça c'est grâce aux abonnés. Hein. On en a pris. Merci pour les likes, les commentaires, mais il faut remettre. Message, alors le match. On va l'appeler, on va lui dire qu'on a gagné, on sera content. Non. Oh, stop, c'est bon, on a bien rigolé et tout, mais... Match de ce week-end contre Rieux. Ah, c'est week-end. On a eu le résultat pour ta suspension. C'est insupportable. Il vient tout à la majorité, hein. Au bout d'un moment, prenez vos responsabilités. Oh, non, remets-lui.
C'est peut-être le match le plus important du mois de janvier pour moi. Alpha, cours, Alpha. Señorita, dame tu manita, que yo me voy mañana.